elle m'a tapé. Qui ça? La maman de Feuwon Didier m'a porté même aujourd'hui. Hein? Hein? Quoi? Répétez, s'il vous plaît. La maman m'a tapé. Mec, la question c'est... Est-ce que tu parles de notre maman Tina qu'on connaît tous? Point d'interrogation. Voilà. Je t'ai loupé. Oh. Ah, donc maman, tu le connais? On peut dire que oui. Ça fait plus d'un an qu'il passe son temps à me draguer. Hey. Moi, je ne sors pas avec les gamins. Ça seulement, je suis d'accord. Voilà. On ne drague pas sa maman quand même. Je t'ai dit. Tonton, elle dit que tu la dragues. Non. Donc explique-nous ça alors. Venez, oh, venez. Hey. Attendez, m'installe bien. Avant que le beurre ne commence, laissez-moi vous dire que vous avez la possibilité de vous débarrasser de toutes vos imperfections au pied avec le Food Mask dispo chez Beth Nubian Bassam. Hé, hey, tonton, on t'écoute maintenant. Donne ta version. Je suis allé là-bas pour la saluer. Tu as perdu ton fils, moi j'ai perdu ma mère. La maman que moi je n'ai plus là, moi je vois, il a vu, je vois ça encore à la suite de nous toi. Et elle me suit. Ça, c'est pas déjà normal. Je lui ai dit de sortir de ma case, c'est normal. Moi, je suis pas à la merci des gamins qui sont en chaleur. Draguer aussi peut amener problème. Oh. Je t'ai dit. Heureusement qu'elle n'est pas de chair. Ils vont pas me draguer. On l'a os. Comment? Donc, même une petite fille comme moi là, vous allez chercher. On va pas laisser. Bon, c'est bon, le débat n'est pas sur moi. Ah, maman, on t'écoute. Ça fait plus d'un an qu'il passe son temps à me draguer. Je suis pas sa camarade. Mais il dit, ne te drague pas. Voilà. Tonton, toi, n'est-ce pas que c'est pas buzz tu cherchais? Je ne sais pas en fait de buzz. Voilà, tu es deux seins de ma maman qui est décédée. Pourquoi tu allais dans son bar? Pourquoi? Je suis venu la voir, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et elle t'a insulté? Voilà. Non, mais il doit avoir une autre raison. Aujourd'hui, parce que moi, mes affaires sont en train d'avancer doucement, doucement. Les journalistes aussi me posent des questions. Ah, tu laisses ma maman. Elle n'est pas contente. Ah! C'est parce qu'elle n'aime pas qu'on dise que tu ressembles à Arafat qu'elle t'a insulté. Voilà. Ah! Les petits impolis, je les mets à leur place. Tu penses que tu ressembles à Arafat, tu n'es pas mon enfant, fais pas à son âme. Maman, laisse-le finir. Voilà. Frère, elle t'a dit quoi là-bas? Elle me l'a dit comme ta vie, ici, la vie comme ta vie. Je dis pas, maman, elle n'est pas comme ça, toi aussi. Et elle a. Mon chérir. Quoi? Je ne suis pas ta mère, ta mère, moi aussi. Tu n'as pas honte? Quoi d'autre? Mais t'es obligé de la pousser un peu pour partir. Sinon, elle allait prendre un verre pour casser sur moi. On espère que tu ne mens pas, hein. Espèce de sale menteur que tu sois. Tu arrêtes de salir mon nom. Tu t'assois là, tu racontes ta vie, je t'ai agressé. Je t'ai foutu dehors de ma cave. Parce que quand tu viens, tu es complètement drogué. Tu viens, tu te donnes un genre. Tu penses que quoi même? T'as fait faux. Il était toujours défendu dans l'ombre. Il n'a jamais parlé de ça. Il a appris des choses, non, parfois, mais tu parles tellement même insulté, tu me dénigrais. Il n'a jamais parlé de ça. Il est en pleurs, il vient te voir pour te saluer. Toi, tu m'insultes que non, tu n'es pas Arafat. Que tu n'as pas. Ouah, je ne sais pas comment tu t'appelles encore ton nom là. Izzy Montana. Izzy Montana. Je suis ta camarade. Viens encore au désaltéro. Viens prendre baigner pour te pour porter tes fesses sales là. Fiche-moi la paix. Hein. Je te conseille de le faire, ça bouge va vite. Une espèce de petit nain que tu sois. C'est ce que je disais. Hey. Et je suis sûr que c'est pas tout. Non, moi, ce malade mental. Ah. Ah. Mon frère, c'est mieux, tu as laissé tomber. Tu as compris? Il n'y a pas de problème, maman. Toi qui as raison, c'est elle qui a raison. Finissez avec tout ça. C'est fini. Je vais toujours te respecter. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Laisse-moi. Moi, merci courageux de mettre ma bouche dans le fait de maman Tinadé. Voilà. Mais on va faire comment? On est congosseurs.